Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, pour pas changer, Zike, mais pour aujourd'hui, petite variante. Je vais vous parler des raisons pour lesquelles la chance était fréquemment, si je puis dire, du côté de Zike. Mais avant cela, n'oubliez pas de mettre le pouce et de vous inscrire. Donc je vais vous lire un passage du texte que je suis en train d'écrire sur Zike, qui va vous expliquer le pourquoi du comment, la chance, pourquoi la chance était présente de son côté. Donc, je vais vous lire mon texte tout de suite. La chance pour un exploiteur qui réfléchit, décide et dirige et conduit l'action est fonction de sa capacité à savoir et comprendre comment l'avoir. Condition parmi tant d'autres à maîtriser pour qu'elle advienne. Contrôler tant faire se peut l'environnement, son comportement et son propre développement. Quand le travail est bien fait, que le mal et le vice soient utilisés à bon escient pour son avènement. Voilà ce qu'est la chance pour Zike. Il se projette dans des situations où le succès ou le grandiose sont envisageables. Autre détail qui a toute son importance pour Zike, être à la marge. La chance est d'autant accentuée lorsqu'elle intervient dans la marge, d'où la prédilection de Zike à préférer à être hors la loi. Le principal bénéficiaire de la chance dans la marge, c'est celui qui a l'ascendant, ainsi que la volonté et la possibilité de saisir l'opportunité. Donc, j'espère avoir été assez clair. Donc, pour résumer mon propos par rapport à cela, ce cher Zike, comme certains disent, il faut provoquer la chance. Mais il faut à tout prix provoquer la chance. Je vais essayer de résumer au maximum ce petit pavé que j'ai fait sur mon futur texte. C'est à la marge que la chance est d'autant plus, si je puis dire, majorée pour Zike. La raison est simple. Là où il y a une loi, il y a, si je puis dire, des règles à respecter. Là où il y a une marge, il n'y a qu'une seule règle à respecter, celle qu'on arrive à imposer. Pour peu que vous soyez dans cette marge, pardonnez-moi, excusez-moi de vous inclure, restons sur Zike. Zike étant à la marge, et étant voulant toujours avoir l'ascendant, voulant toujours diriger, voulant toujours conduire, ça fait toute la différence. Chercher, découvrir, trouver, explorer, exploiter, et donc être bénéficiaire de cette manne qu'on peut trouver. Et donc, là était la force de Zike. Cette capacité à savoir, à pouvoir et à vouloir saisir l'opportunité. Mais ce n'était envisageable, c'est terrible à dire, que parce qu'il était dans un état second. Comprenez que vous avez une neuroplasticité, en tout cas, Zike avait une neuroplasticité d'exploiteur. Quand vous êtes un exploiteur, à la marge, vous devez saisir l'opportunité. Zike en était capable. Vous, je ne sais pas, mais Zike, j'en suis sûr. Et cette capacité, donc, à vouloir bénéficier de la chance, donc de l'opportunité, de n'avoir personne, comment dire, de n'être redevable de rien du tout vis-à-vis de qui que ce soit, et donc de par ses capacités à pouvoir faire la différence, fait que quand une chance se présentait de pouvoir ne compter que sur lui-même et ne devoir rien à personne, il la saisissait à cause de sa neuroplasticité. Comprenez que comme le seuil de récompense, dont je vous parle assez fréquemment, a été accentué de par les produits qu'il prenait, il était en mesure, par rapport à d'autres qui se contentent de manger, boire et copuler, d'aller chercher cette petite différence qui fait que. Donc saisir cette opportunité pour, entre guillemets, accentuer ce fameux seuil. Je dirais que quand il revenait dans un cadre où la loi court, il essayait, si je puis dire, de surfer sur ses capacités, de se détendre pour repartir de plus belle, ou voire même de profiter des opportunités pour toujours asseoir son autorité. Mais au-delà de ça, j'en reviens à la chance. Le texte explique réellement, de par mes nombreuses relectures, 35 en cours,
et quatre de parodie. Je ne suis pas, comment dire, formel, mais je dirais que le recoupement que j'arrive à faire de par mes nombreuses relectures fait que je vois les habitudes. Les habitudes qui mènent à l'échec, les habitudes qui mènent à la réussite et les habitudes qui mènent aux erreurs. Mais pour pouvoir réussir, entre guillemets, si je puis dire, à être dans la réussite, dans le cas d'Ike, le succès et le grandiose sont une condition sine qua non pour que la chance soit présente. Succès grandiose, donc, dans des voies à la marge, où il aurait été, si je puis dire, l'unique bénéficiaire. En tout cas, pas l'unique bénéficiaire, compte tenu du fait que le grandiose ne s'obtient qu'avec un groupe. Donc, groupe de chercheurs d'or sur lequel il a une autorité, d'en haut. Groupe, donc, de tricheurs sur lequel il a la mainmise, dans Parodie. Et dans Sahara. Et dans Sahara. Et dans Sahara. Groupe de marginaux sur lequel il a toujours la mainmise. Et force est de savoir que, force est de constater que dans ces trois ouvrages, la marge est d'autant plus accentuée avec des marginaux. La raison pour moi, je ne dirais pas qu'elle en est simple, c'est que le seuil de récompense dont je vous parle peut être accentué avec des marginaux. Alcool, drogue. Ces gens sont en mesure de les accepter. Et ça accentue leur perspective. Perspective dans le bien, perspective dans le mal. Et perspective dans le vice. Et c'est réellement ce qui fait la différence. Si vous vous contentez, si je puis dire, d'une envergure, je dirais bonne, positive, vous taperez dans le positif aussi longtemps que vos moyens vous le permettront d'être dans le bien. Si vous tapez dans le mal, vous accentuez l'envergure. Et si vous tapez dans le vice, en plus, vous accentuez d'autant plus l'envergure de votre réussite et donc la possibilité de pouvoir être dans la chance. Et le côté méchant de Zike était s'expliquer plus ou moins par ce biais-là, car il fallait à tout prix pouvoir saisir l'opportunité pour pouvoir entre guillemets ne compter comment dire ne compter que sur soi. Le fait de provoquer la chance consiste, dans le cas de Zike, à oser. Oser le vice, oser le mal. Si vous savez, si je puis dire, si vous savez faire, vous n'allez pas oser le mal et oser le vice. Et donc, cette capacité à oser accentue la chance, la possibilité. Mais pour ça, faut-il être en mesure de saisir l'opportunité. Pour pouvoir saisir cette opportunité, il faut vouloir et il faut pouvoir. D'où la nécessité d'être sous substance. Accentuation de la volonté, accentuation de la capacité à pouvoir le bien, pouvoir le vice, pouvoir le mal. Force est de constater que Zike a l'air de se tenir. Je ne pense pas être dans l'erreur. J'espère avoir bien lu mon texte. Excusez-moi, il est encore frais, il date d'aujourd'hui pour être exact. Il y aura sûrement des petites choses à devoir corriger, mais qu'importe. Ne vous inquiétez pas, quoique. Ça sera exceptionnel, j'en ai l'intime conviction, parce que vraiment, je suis dans le détail qui fait que. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée à tous et je vous dis à bientôt pour la suite.